vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Too Faced. Alors, comme vous le savez, je suis juste fan inconditionnelle de cette marque que je trouve absolument cool déjà dans les packagings, que je trouve de très bonne qualité en termes de produits avec une excellente tenue. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo et de trouver du temps en fait pour vous faire cette vidéo, donc je suis juste trop contente. Je vais vous montrer les nouveautés de la collection Peaches and Cream qui va sortir très bientôt en janvier. La Chocolate Gold, donc la nouvelle palette qui sortira également dans très peu de temps, et en fait vous faire un petit focus sur la collection Glitter que j'adore, et voilà, j'avais juste hâte de vous les montrer, de vous réaliser un petit make-up avec, parce que je ne l'ai absolument pas testé. Ceux qui me suivent sur Snapchat ou sur Instagram, je vous l'ai déjà montré sans la tester, donc là j'ai vraiment hâte. C'est parti. Alors, dans la collection Peaches and Cream, on a une base fraîcheur matifiante. Alors, je suis déjà super contente parce que les bases, déjà, je m'en mets tout le temps. Enfin, je commence pas un make-up sans une base. Donc, on a ici la base-ci qui se présente comme ceci et qui, j'espère, et d'une couleur en fait assez neutre pour qu'on puisse toute la porter. On trouve également dans la collection Peaches and Cream plusieurs fonds de teint, mais moi j'ai deux fonds de teint, donc je testerai avec vous quelle est parmi les deux teintes qui sont là, quelle est la teinte qui pourra m'aller entre la Mocha et la Mohagany. Donc ça se présente comme ceci et vous avez en fait toutes les teintes ici. Il y a pas mal de déclinaisons à venir. Donc c'est plutôt cool parce que voilà, je vais pouvoir savoir entre les deux quelle est la teinte qui me convient, et elle se présente comme ceci. Donc c'est un format qui est quand même assez différent de ce qu'on connaît jusqu'ici. C'est assez rare qu'un fond de teint se présente comme ça, avec voilà, une petite pompe comme ça au bout. C'est super mignon, on dirait un petit peu du Victoria's Secret. Je pense que je vais plus me mettre en teinte d'hiver sur la Mocha, et la Mohagany sera plus une teinte, je pense, d'été. Dans la collection Peaches and Cream, on trouve également des blushs qui sont juste, mais trop mignons. Ils sont juste canons. J'ai un véritable coup de cœur pour celui-ci qui, j'espère, va vraiment bien m'aller parce que c'est celui que je préfère. Donc on a le Ginger Peach qui est une teinte vraiment très bas, enfin, comme son nom l'indique, assez pêche. Regardez, en forme de petite pêche comme ça, c'est juste adorable. J'ai le Pinch My Peach qui est une teinte un petit peu plus rosée. Donc je vais vous le montrer, de toute façon vous pouvez les voir juste ici là. Oui, c'est trop beau. Cette teinte là que j'aime beaucoup aussi, qui je pense sera une des teintes que je vais pas mal utiliser aussi, la Spite Peach, qui correspond un petit peu plus à ma couleur de peau, et la Peach Berry qui est mon gros coup de cœur parce que je trouve juste la couleur trop belle. Ça se présente comme ceci, c'est juste super mignon, c'est vraiment trop beau, hein. Regardez, avec la petite marque écrite dessus, franchement, Too Faced, chapeau. C'est super beau, mais je pense que ça, c'est un petit peu trop corail. Donc là, c'est Peach My Peach. Alors, on a une teinte qui est un petit peu rosée, donc comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Voilà, qui est quand même relativement clair quand même. On a la Spicy Peach, une super belle couleur, regardez, elle est trop belle. Ah ouais, ça c'est canon, ça fera un effet plus naturel. Elle est trop belle, regardez, ça c'est la teinte Peach Berry, et franchement tous les produits sentent tellement bon. Oh là là, j'ai cru que je vous ai pas dit quand même la particularité, c'est que ça sent quand même pas mal bon. Voilà, donc ça c'est clairement la teinte que je vais utiliser. On trouve également sous le même packaging un highlighter. C'est le Happy Face qui se présente comme ceci. Voilà, le Happy Face qui est comme ceci. Il est juste trop beau. J'espère qu'il va m'aller, hein, parce que sinon je vais être trop triste. Quelqu'un qui a mis son gros doigt dessus parce que mon miroir il est sale. Hop. Donc voilà.
En termes d'intensité, il va falloir que je vois. Parce qu'il est pas du tout. Il est plus poudreux. Ceux-là, ils sont tous très assez crémeux quand on les applique. Et lui, il est directement poudreux. Rehausseur de teint, poudre fondante enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. C'est trop bien. C'est trop bien. Hop, je vais le garder pas très loin de moi. Je vais refaire quand même un. Voilà. Là, on a tendance à un petit peu mieux. À mieux le voir. Enfin, la Diamond Light, c'est en fait le la light, le rehausseur éclat diamant. C'est un peu le, vous voyez, c'est la chose qu'on veut posséder à tout prix. C'est en fait un highlight diamant qui est juste sublime. Regardez comment est-ce qu'il s'ouvre. Vous prenez du coup votre produit là, celui-là, le diamant. Vous l'ouvrez et là. Le petit bijou, le petit diamant qui est juste sublime. Alors honnêtement, on va voir s'il convient à ma couleur de peau. Là je vous avoue que c'est un peu la pièce maîtresse, vous voyez, c'est un peu le... Il est nacré, il est dans sa petite boîte comme ça, il est... Franchement on dirait un bijou. La Too Faced, franchement c'est un vrai bijou, c'est sublime. C'est hyper bien travaillé avec le petit détail ici, parce que finalement le petit bouton ne vous sert pas à ouvrir votre boîte à bijoux en fait. Il est là vraiment pour la déco, tout est dans le détail. Et franchement les reflets de nacre qu'il y a au-dessus, c'est juste canon. Après c'est très blanc, donc faut vraiment voir ce que ça va rendre. Je vais le tester, je vais voir si ça me convient ou non, mais franchement je croise des doigts gros comme ça. Ça me fait mal au cœur de mettre les doigts dedans, mais regardez. Regardez les reflets. Les reflets sont juste sublimes. Par contre, j'ai eu la main un peu lourde, donc vraiment, il va falloir y aller tout doucement et à mon avis, très bien estomper. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un trait tout blanc. Hein. Donc, blanc, il est nacré, il a des teintes un petit peu violet, un petit peu de rose dedans. On dirait une perle en fait. C'est juste très beau. Et ça forme des petits dessins comme ça de toutes les couleurs au-dessus. C'est superbe. Donc lui, je le garde pas loin du tout pour le tester. Mais je pense que pour celles qui ont ma teinte de peau, celui-ci sera quand même mieux, le Happy Face, parce qu'il est légèrement plus péchu et un petit peu moins blanc. Il a un peu plus doré. Ensuite, on passe à la Chocolate Gold, qui est quand même la palette Too Faced, avec des couleurs métalliques et avec de réels morceaux d'or à l'intérieur. Donc c'est juste voilà, c'est la Too Faced Chocolate qui est juste canon, avec les couleurs qui sont juste ici. Donc voilà le packaging. Enfin, Too Faced fait encore des choses sublimes. J'ai hâte juste de mettre mon nez dedans. En fait, j'ai plus hâte de mettre mon nez dedans qu'autre chose, vous voyez. D'abord, je mets mon nez, après je réfléchis à ce qui peut arriver. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est juste trop beau. Elle est juste trop belle avec la petite coulure dorée là. Et puis voilà, Too Faced c'est ça, c'est gourmand en fait. Too Faced, on a aussi envie de le manger que de se maquiller avec. Bon, alors déjà ça sent hyper bon, je vous le dis déjà, l'odeur elle est juste dingue. Alors on a un miroir qui est super grand, donc ça franchement c'est pas mal du tout. Et on a des teintes, mais regardez les teintes sont juste superbes. Ce vert là, il va pas m'échapper. Alors dans cette palette, on a un petit highlight ici. Les trois couleurs qui sont là sont des couleurs qui sont mates. Et ensuite, on a que des teintes irisées, donc juste sublime. Celle-ci, la Living Lavish est canon, la Décadent est canon aussi. La Money Bag est pas mal aussi. Je pense que je vais faire un make-up très foncé avec au niveau des yeux, en utilisant certainement ce vert
verre là et celui-ci, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, et les couleurs gold aussi qui sont vraiment, vraiment canon. Franchement, je sais pas. Là, ça va être surprise pour le make-up. Et pour finir, je voulais juste attirer votre attention sur, sur la palette glitter que je trouve juste sublime. Qui est pas mal pour les fêtes, pour le nouvel an, pour celles qui aiment se maquiller avec juste de la paillette et peu importe l'occasion, que ce soit pour des soirées déguisées, pour des événements, pour des anniversaires, pour tout ce que vous voulez. Celle-ci, je vous l'avais déjà montrée sur mes réseaux sociaux. Avec les paillettes ici qui bougent, regardez, hop, par exemple, voilà la lettre L qui se vide ici, et voilà, c'est pareil, c'est juste super beau. Je vous l'avais pas montré en vidéo, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc vous avez une base pour intensifier et vous avez une base pour faire plus briller et vous avez des couleurs qui sont franchement pas mal du tout sur cette palette. Je voulais juste vous les montrer parce que ce violet là il est superbe, ce vert là est canon et ce rose là aussi est vraiment très 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 joli. C'est une super belle palette, c'est pas de la grosse paillette, comment dire, c'est pas de la, comme de la grosse paillette fantasy, vous voyez, où vous vous dites si j'en mets je vais juste ressembler à un clown, pas du tout, c'est à dire que vous pouvez juste rehausser une partie de votre make-up sur les yeux en mettant un petit point de paillette et ça fonctionnera très très bien parce que c'est entre la paillette et l'irisé, donc en fait c'est pas mal du tout, c'est un très très bon compromis. Et pour celles qui sont un petit peu plus friandes de la paillette, il y a également des eyeliners pailletés, donc les glitter pop. Ils se présentent comme ceci, la teinte du dessus c'est la Hey Mr. DJ, la Kitty Glitter, la Fairy Queen et la Yes Way Rose. Pour celles qui ont envie de se mettre de la paillette sur le make-up, donc voilà ce à quoi ça ressemble. Vous faites votre trait d'eyeliner et au bout de 5 minutes c'est sec et ensuite vous le retirez avec le doigt, donc ça c'est juste génial. C'est génial en fait, pour l'enlever en fait il suffit juste de décoller depuis le coin extérieur et de revenir sur l'intérieur, donc en fait c'est juste très très simple d'utilisation et voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que c'est pas mal du tout. C'est parti pour la base matifiante enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée, donc on va attendre que le produit monte. Ça y est, alors c'est légèrement rosé comme ceci, donc je vais y aller tout doucement au cas où, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Non, ça va, ça me paraît assez... elle sent super bon. Ah ouais. Alors, elle pénètre hyper vite dans la peau, parce que ça y est, elle est plus du tout collante, je la sens plus du tout. Ensuite, je vais passer à la teinte Mocha pour le visage. Je pense que c'est la teinte qui va le mieux me convenir. Je vais juste replacer mon miroir pour être sûre. Et c'est parti. Alors, on va voir. Hop. Ça a l'air d'être ça. Hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai des taches partout sur le visage. C'est juste dingue. Bon, les gars, je crois qu'on a trouvé la teinte Mocha, c'est la bonne, c'est exactement ma couleur de peau. Donc je pense que l'autre qui est un tout petit peu plus, un peu plus foncé sera parfaite en teinte d'été. Quand j'aurai un peu plus bronzé, regardez. C'est dingue, hein, j'ai pas fini de tout étaler, mais et on y est. J'adore, en plus ça sent hyper bon. Et de toute façon, regardez, j'ai l'impression que le fond de teint, il est déjà pas mal matifiant parce que je brille pas du tout. C'est hyper, hyper, hyper mat.
Je vais prendre mon anti-cerne classique, le Nars, tout simplement parce que je n'ai pas d'anti-cerne Too Faced. C'est étrange quand même que je n'ai pas d'anti-cerne Too Faced. Parce qu'en fait, je trouve le mascara déjà génial. Je l'ai même offert à ma mère pour Noël. J'ai toujours eu le mascara. C'est vrai que bon, là, je l'ai laissé chez moi et je ne l'ai pas ici sur moi. Mais vu que leurs fonds de teint sont cool, je comprends même pas pourquoi j'ai pas pensé à prendre un anti-cerne. On va passer aux joues. Je vais tester celle-ci. Donc c'est la Peach Berry que je trouve juste canon. Alors, c'est une texture crème quand on le touche et quand on l'applique. Ah ouais, ça se passe hyper vite. Bon, je vais tenter avec ce pinceau-là, le Zoeva. C'est celui avec lequel, en général, je mets mon fard à joues. Je vais essayer. Je verrai. Mais je pense que c'est plutôt quelque chose que je vais appliquer au doigt. Oh, quoique. Je sais pas trop. Je pense par contre que c'est la bonne couleur. Je pense pas du tout qu'il faille appliquer une couleur plus claire si vous avez ma couleur de peau. Parce que ça ne se verra pas du tout du tout. Pour les yeux, je vais prendre la Chocolate Gold, donc la Sublime palette. Je vais commencer avec le fard le plus marron juste ici. Après la Cocoa Truffle, je vais venir mettre la couleur Décadent, donc celle-ci qui est un noir. Et je vais venir le mettre juste sur le coin externe de la paupière. Et je vais remonter un petit peu plus sur le creux de paupière. Un petit peu grossièrement et je vais venir estomper tout simplement avec le pinceau mélangeur qui est un Zoeva, c'est le combien, hop, je l'utilise hyper souvent, mais le 227 comme d'habitude, hop hop hop. Et je vais terminer avec le Money Bags, celui-ci. Pas mal, hein. Je sais pas si vous le verrez bien. Qui est pas mal du tout. Et je vais venir l'estomper un tout petit peu. Les fards se fondent bien. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop estompé, n'hésitez pas à en remettre un tout petit peu pour avoir vraiment cette couleur verte bien visible. Et si vous vous chauffez un petit peu, vous pouvez même récupérer la palette glitter et venir chercher cette teinte là qui est un vert un peu plus clair, toujours avec un petit pinceau plat. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Nocibé. Et récupérer un tout petit peu de couleur pour venir juste illuminer là votre paupière. Regardez cette couleur, elle est hyper intense. Je me suis fait un petit make-up de sirène. Je vais récupérer un tout petit peu du fard vert, le Money Bags, dans la Chocolate Bar, juste pour en mettre un tout petit peu, mais vraiment très 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 légèrement sous les yeux.
Donc pour le l'eyeliner, je vais utiliser le That's Point de chez NYX. Je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, mais je ne l'ai pas testé encore en vrai. Donc ça y est, je vais le tester pour de bon et voir ce qu'il donne. Et malgré tous les fards, franchement, il est pas mal, hein. Je vais venir mettre un petit peu de mascara sur ce make-up des yeux. Alors c'est le Mr. Big, Monsieur Big, Mr. Big c'est dans Sex and the City, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il fait partie de mon top 3. Dans une prochaine vidéo, je vais tester le Victoria Beckham. Comme ça, je pourrais vous dire si je le place toujours dans mon top 3, celui-ci aussi il saute. Parce que le top 1, tout en haut, comme je vous l'ai dit, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, évidemment. Mais voilà. Bon, voilà, on va passer à la light. Alors, je vais tenter, en espérant ne pas ruiner ce que j'ai fait sur les joues juste avant, avec le diamant, celui-ci qui est juste canon en fait. C'est pas mal, c'est par contre je pense un peu trop blanc, un petit peu. Je pense que même en estompant ça reste quand même un petit peu blanc. Sur une peau un peu plus blanche ce sera beaucoup mieux. Avec le peach, je vais essayer de rattraper la couleur. Bah écoutez, on est très très bien. Comme on a un make-up assez chargé sur les yeux, je pense que je vais mettre un lingerie sur la bouche, le échec et mat, parce que c'est une couleur qui est quand même assez, assez marron, qui en fait, c'est ma couleur de peau. Je pense que c'est je pense parce que je vous l'avais montré aussi et je l'ai pas testé, mais je pense que c'est la parfaite couleur nude en fait, tout simplement. C'est exactement ma couleur de peau. Le make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu, entouré de produits de chez Too Faced. Voilà, moi le vert en make-up c'est une couleur que j'adore, je suis hyper contente, je suis hyper fan. Voilà, j'espère que vous avez pu découvrir des nouveautés, j'espère que ça a pu vous aider dans vos prochains choix de make-up. J'espère aussi que ça vous aidera à faire les bon choix pour votre couleur de peau. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Ça me fera hyper plaisir. Je vous embrasse fort 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 et à bientôt. Salut.